Bonjour, je m'appelle Tosh. Je travaille depuis 5 ans dans une entreprise de recherche bioinformatique et je viens tout juste d'assassiner mon patron, Steve Scott. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. En 2007, je débutais ma vie professionnelle. Monsieur Scott m'avait donné ma chance et pourtant, je n'étais pas le seul sur le marché. L'entreprise était très réputée, nos résultats excellents et l'objectif était de maintenir le chiffre d'affaires qui faisait notre renommée. En fait, avec quoi on ramasse la papaye? Avec une pépette? Non, avec une foufourche. Pas mal, pas mal. Mais après plusieurs mois, j'ai commencé à me rendre compte que Monsieur Scott n'était pas l'homme chaleureux et bienveillant que j'imaginais. Pas d'appel perso au bureau, s'il te plaît. Dans le bureau s'il le faut ce soir, mais en tout cas, tu me rends ton dossier demain matin en première heure. Il était autoritaire, parfois injuste, mais je restais persuadé qu'il était brillant. Même s'il était dur, c'était un homme à qui je devais beaucoup. Je n'avais pas le droit à l'erreur. Puis au fil des mois, certains d'entre nous ont fait preuve d'un grand manque de rigueur professionnelle, ce qui a gravement influé sur la rentabilité de l'entreprise. C'est quoi ce bordel ? Hein ? Tu peux t'asseoir sur tes primes, hein, t'auras que dalle ! Quoi ? Y'a un problème ? Que dalle, j'ai dit ! Que dalle, toi aussi ! Et toi, la ramène pas. Il dépassait les bornes. Je devais agir. En tant que plus proche collaborateur, j'avais accès à ses dossiers, ses archives et ses mails. J'ai fait pour lui de mauvais placements qui ont grandement endommagé son capital personnel. Et j'attaquais sa vie privée. Sa femme apprit qu'il avait une maîtresse. Le divorce fut prononcé rapidement en sa très grande défaveur. Mais quelques mois plus tard, notre chiffre d'affaires s'est écroulé. Et Scott se vit dans l'obligation de licencier plusieurs salariés. D'abord Florian. Puis Éléonore, employés tous les deux depuis 3 ans. Je commençais sérieusement à craindre pour ma place. L'entreprise était au bord du dépôt de bilan. J'avais tellement peur d'être remplacé que j'ai développé un stress aigu qui m'a conduit à commettre beaucoup d'erreurs. Je n'étais plus aussi productif qu'à mes débuts. Mon ordinateur bug. J'en veux un autre. Vous avez commandé un autre ordinateur ? Évidemment que je l'ai commandé un autre ordinateur. Et là, j'ai paniqué. Allez, c'est pas tout de brut ! Je m'appelle Tosh, je travaille depuis 5 ans dans cette entreprise de recherche bioinformatique et je viens tout juste d'assassiner mon patron.